Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du système Qualys. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas Qualys, qu'est-ce que c'est? Alors Qualys c'est très simple, c'est un site internet pour s'inscrire en études, car comme vous le savez je pense, le soir au CEM de Valbourg, on peut rester en études dans différentes matières, en études de groupe, études numériques et même études silencieuses pour faire nos devoirs. Donc pour se connecter sur Qualys, c'est très simple, il vous suffira d'aller dans votre navigateur internet, de taper https://qualys.cem-valbourg.eu et ça vous redirigera automatiquement vers le site internet. Voilà, donc une fois sur Qualys, ils vous demanderont votre email et votre mot de passe, donc c'est l'email et le mot de passe d'Office 365 qui vous a été donné normalement en début d'année par votre professeur. Donc l'exemple, ce serait le prénom. Le nom, .elève@sem-valbourg.eu. Une fois connecté sur Qualys, il vous suffira de cliquer dans les activités, de choisir la date à laquelle vous souhaitez vous inscrire en études. Alors pour ma part, ce sera le lundi 31. Je regarde le créneau auquel je veux m'inscrire en études. Et là, il me propose les études auxquelles je peux m'inscrire. Alors, par exemple, si je veux m'inscrire en études maths, je clique sur l'étude maths. Je peux regarder le nombre d'inscrits, le professeur qui s'occupe de l'étude et l'emplacement, donc la salle à laquelle se déroule l'étude. Alors, pour s'inscrire, il vous suffit de cliquer sur s'inscrire. Si par exemple je me suis trompée, il suffit de recliquer dessus et de faire se désinscrire. Alors, il y a de nouvelles règles cette année. Il est désormais obligatoire de s'inscrire sur Qualys pour les demi-pensionnaires, les internes et même les externes. On peut également s'inscrire du soir pour le lendemain, pas comme l'année dernière où on devait s'inscrire du week-end pour la semaine. Alors, pour les élèves qui ne souhaitent pas venir en études, il faudra tout de même s'inscrire sur Qualys en cliquant sur l'étude à la maison. Et c'est le même fonctionnement, je clique sur s'inscrire et je peux me désinscrire pour changer d'étude. Si l'on ne s'inscrit dans aucune étude, nous serons automatiquement dirigés vers la permanence et un appel sera effectué aux parents ou un mail d'ailleurs pour demander où vous étiez pendant cette heure-là. Donc n'oubliez pas de vous inscrire. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt.